One-two. Ouais, allez. On va quand même démarrer, faut pas déconner non plus. On clique sur les bons boutons, comme d'habitude. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 6 octobre, il est 21, presque 21h, 21h05. Nous, ce soir, on va attaquer la liste de mots de passe, enfin. Ça fait des années que je me la trimballe, que je voulais en faire un article de blog, que bon, c'est pas, ça s'est jamais fait, parce que le blog, il est pratiquement mort, même s'il bouge encore et que j'aurai l'occasion de discuter de ce qu'on fera dans le futur pour lui. Donc oui, voilà, analyse de liste de mots de passe. Avant qu'on rentre dans les détails, je ne sais pas, bonsoir, pour ceux qui viennent d'arriver. Comment allez-vous? Vous avez le droit de le dire. Moi ça va, je suis un peu moins crevé, donc là cette fois on pourra faire un vrai 2 heures, je pense. Parce que la semaine dernière, c'était vraiment. J'étais à 2 doigts d'abandonner, limite j'aurais pu. Hein, c'est vraiment. C'est dans un tel état, au final on n'a rien fait en plus. Puis pas grand monde vendredi dernier, donc en plus ça a pas été très animé, ça m'a pas aidé non plus. Donc alors je pensais ce soir tester l'enregistrement direct du stream de manière indépendante plutôt que de simplement récupérer la vidéo de Twitch en fait. Et j'ai voulu tester l'encodage AV1. Je l'ai testé tout à l'heure à la suite d'une visio avec ma frangine. Le résultat vidéo est bizarre. La résolution, elle est tronquée. C'est pas du full HD. Et apparemment, c'est un bug connu. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de creuser parce que c'était là. Il y a quoi? Il y a 1 heure. Voilà, il y a 1 heure grosso modo. Donc bon, j'ai pas plus creusé que ça. Mais bientôt, peut-être, j'aurai des enregistrements de meilleure qualité que ce que me fait Twitch avec le H264. Déjà que je ne garantis pas que ce que me fait la carte graphique est d'une qualité monumentale. Mais comme je peux pas non plus envoyer tout comme je veux sur Twitch, bon. Voilà, on fait sans. Enfin bon, globalement, mon PC, quand même, j'ai pas à m'en plaindre, il fonctionne bien. Il est ultra stable, j'ai pas eu un seul plantage depuis que je l'ai. J'ai eu un peu de délire, quand même, de la part du clavier, qui, des fois, veut pas s'allumer. Non, la souris, c'était pas un... La souris, c'était un bug entre la souris et le clavier, entre la souris et la chaise, c'est-à-dire que je me suis dit, oh, elle marche plus, alors que j'étais en pleine partie, en fait. J'avais juste un truc collé en dessous, là, au niveau du capteur. Voilà, bon. C'est un peu con, mais ça arrive. Donc voilà. Donc la carte graphique, l'enregistrement vidéo en même temps que le stream, ce sera pour plus tard. Je ferai peut-être un stream test, entre guillemets. Pas ce week-end, je pense pas, mais. Voire peut-être un autre soir dans la semaine, pourquoi pas, si jamais je suis motivé, ce genre. Mais bon, le problème, c'est que faire un stream d'encodeur, faire un stream en testant l'encodage de vidéo, l'enregistrement, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus. Normalement, ça devrait pas impacter le stream, parce que le stream se fait en H264, mais avec la V1 à côté en même temps, bon. On verra. Ça se testera, hein. Après tout, mon Dieu, avec le budget que j'ai mis dans ce PC-là, on est quand même sur quelque chose d'un autre niveau, ce serait malheureux qu'on s'en sorte pas. Même si on est sur AMD, et AMD en termes de performance sur la vidéo, c'est pas ça. C'est beaucoup moins folichon. Donc ouais, on verra. On verra, on verra. Du coup, sans plus attendre, cette liste. Alors, c'est le desktop. Ouf. Donc, j'expliquais la semaine dernière en fin de stream, la liste en question, elle est préfiltrée. Pourquoi?
Je me suis rendu compte très très vite en voulant quand même parcourir vite fait que dans les mots de passe, il y en a beaucoup qui mettaient le nom du site. Alors sachant que cette liste, je l'ai récupérée parce que les mots de passe étaient en clair dans la base de données, j'ai récupéré que les mots de passe, je n'ai aucun autre contexte, c'était il y a plusieurs années et je m'étais noté de côté que du coup... Donc c'était il y a quoi, peut-être 4 voire 5 ans de mémoire, je me souviens, j'ai pas fait gaffe à la date d'origine du fichier. Et comment? Et du coup, je n'ai pas non plus conservé l'information de la présence d'une politique de création de mots de passe. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une taille minimum? On va voir qu'a priori c'était pas le cas. Ou alors au début il n'y en avait pas et ça n'a pas été réinitialisé. Enfin, il n'y a pas forcément de limite sur le. Il n'y a pas forcément de contraintes sur la complexité, sur le nombre de caractères, sur le type de caractère, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va vérifier, hein, mais en tout cas, c'est une information que j'ai pas récupérée à l'époque. Moi, déjà, juste ce qui m'intéressait, c'était la colonne de mots de passe, et j'ai récupéré que cette information-là. Mais malgré tout, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup trop de gens, et on va revoir le nombre, je l'ai montré un petit peu la semaine dernière avant d'aller me coucher, mais ils utilisent le nom du site ou une partie du nom du site dans le mot de passe. Comme on voulait l'analyser et que je voulais pas identifier le site en question, forcément, j'ai dû faire un premier filtre, et pour s'éviter des problèmes, je vais déplacer. Alors, je vais faire un premier chiffre. Donc, la liste brute, c'est 747 000 mots de passe. Alors, je vais peut-être même zoomer encore un peu, histoire que vous voyez vraiment bien. Parce qu'après tout, on va rester quasi intégralement dans de la console. À un moment donné, je vais peut-être faire quand même tenter de faire 2-3 trucs avec du. Avec de la. Comment? Je vais y arriver, je suis désolé. Avec un outil comme LibreOffice, par exemple, LibreOffice Calc, je pense, notamment. Mais là, on va principalement tenter de travailler en ligne de commande pour faire des trucs un peu plus ou moins énervés. On va bien voir ce que ça donne. On va essayer éviter de se péter la console aussi, parce que avec une telle quantité de lignes, on peut avoir des surprises. Donc, comme je disais, la liste brute fait. Voilà, 747 000 lignes. J'ai donc retiré les occurrences qui correspondaient au nom du site web. On n'est déjà plus qu'à 732 000, ce qui fait qu'on a 15 000 mots de passe, grosso modo. Alors c'est quelque chose qu'on va peut-être se. Je vais peut-être me noter ça dans un coin pour avoir une sorte de récap en fait. Alors même si j'ai un fichier de notes à côté, remarque que je pourrais me le. Hop, un jour il faudra que je m'occupe des raccourcis. Ça c'est un délire. On a le. Pourquoi il me l'a mis comme ça? Ah oui, j'aurais dû faire ça. Okay. Voilà. Du coup, hop, je me suis gardé ça. Donc, on a déjà 15 000 mots de passe qui correspondent au site web. Ok, pourquoi pas. Alors, pour éviter les problèmes, je vais déplacer ces trucs-là, donc dans le dossier que j'ai créé. Voilà, comme ça. Ma première base, ça va être cette liste filtrée. Ça risque d'être quelque chose. Du coup, la première chose que je voulais faire, c'est. Est-ce que j'avais noté des trucs? Oui. Les mots de passe uniques. Combien dans cette liste de 700 000, combien a-t-on de mots de passe uniques? C'est-à-dire.
par extension, combien de fois des mots de passe ont été réutilisés. Pour ça, il faut qu'on commence par trier la liste. Du coup, quand on est en ligne de commande, on va faire ça. Moi, j'ai tendance à faire ça. Sort. Et après, c'est unique. Et je crois qu'on va mettre le C comme ça. Ça va permettre de compter, en fait, quand il va compiler. Donc, sort, ça va nous les trier. Unique, ça va du coup compter, enfin détecter les différentes les versions qui sont dupliquées et n'en garder qu'une seule. Mais si on rajoute le tiret C, il va nous rajouter le comptage de chaque mot de passe. Et là on a deux choix. Soit alors on peut déjà commencer par, par les compter. Comme ça on peut comparer par rapport à la liste de base. Et là, c'est une boucherie. Là, c'est une boucherie parce que une fois qu'on les a triés et qu'on a supprimé les doublons, on n'est plus qu'à 185 000. Alors, si on veut vraiment des chiffres précis, là, pour le coup, je vais sortir la calculatrice. On va pas déconner. Donc, on a 732 000 de base. Oui, c'est pas grave, c'est parce que j'ai pas fait ça. Voilà, là c'est mieux. On veut faire moins. Voilà. On a donc 146 970 mots de passe réutilisés. Enfin, qui ne sont pas des... qui sont des doublons. Donc on va pas se mentir, hein, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Maintenant... maintenant, bah... Comment dire ? Hop, je me prends des notes en même temps. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, quels sont les mots de passe qui sont les plus réutilisés? Là, on va commencer à rentrer dans la grosse, grosse analyse. On les a triés. Et si on regarde un petit peu comment ça se passe... Alors, manifestement, il m'a compté des lignes... d'accord, pourquoi pas. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de prénoms. On voit qu'il y en a qui mettent beaucoup de caractères spéciaux, il y en a qui mettent des smileys, c'est très rigolo. Voilà, celui-là, je peux vous dire qu'avant qu'il soit brute force, encore qu'il n'est pas très long du coup, hein. On a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères, ouais, c'est pas la folie. On voit qu'il y en a qui ont sorti des trucs, ça c'est du gestionnaire de mot de passe, c'est pas possible autrement. Donc, donc on a ça, mais là en fait c'est du coup ils sont triés par ordre alphabétique et on a les occurrences. Mais ça commence par un nombre. Si ça commence par un nombre, on peut retrier pour avoir les nombres les plus gros. Du coup, bonsoir, French Verige. Je prononce très très mal. Oh la vache. je serais intéressé combien de mots de passe utilisent des noms communs pour l'attaque par Dico. Alors, j'ai pas encore de Dico sous la main. Ça, on va en chercher un tout à l'heure. Mais je prévois de le faire. Je sais pas comment on va y arriver. Et le problème, c'est que le traitement risque de prendre du temps. Donc, je donnerai peut-être la méthode, mais on n'aura peut-être pas le résultat tout de suite. Parce que des dictionnaires, ça peut être particulièrement énervé. Il peut y avoir des gros dictionnaires, et prendre chaque entrée de dictionnaire et le tester sur la liste de 700 000, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc je garantis pas qu'on aura le résultat. Mais ça fait partie des idées que je m'étais...
Il faudrait qu'on ait la possibilité d'enregistrer un truc en phonétique pour les pseudos à côté. Donc ouais, pour le dictionnaire, j'y viendrai après. Ça fait partie du... Ça doit être 1, 2, 3, c'est la quatrième. C'est la quatrième... ma quatrième sur le... Ma quatrième liste. Donc du coup, je disais, donc on a cette liste-là qui est préfixée avec la quantité, le nombre de fois que le mot de passe a été réutilisé. Du coup, on va retrier. Et le tiret N, je crois, c'est ce qui permet d'avoir les plus gros en premier. Non, raté, c'est l'inverse. Non plus. Alors, c'est quoi ces sortes? Mince. Ça y est, je sais plus me servir de sorte. Numérique sorte. Ah non, c'est juste un N. Ah oui, alors du coup, c'est quoi? C'est... Si je veux que ce soit le... C'est tiret R? Oui, d'accord, ok. Sorte tiret RN. Voilà. Sans surprise. Sans surprise, les éléments les plus réutilisés, on voit que c'est les mots de passe les moins complexes. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrive en tête. De peu, hein, mais il arrive en tête. Donc on voit qu'il y a forcément... Hein, déjà, ça commence mal. Ensuite, on a Loulou qui est le deuxième, on a Doudou troisième, hein, on a quand même un trio de tête qui est particulièrement énervé. Et tu vois, tu parlais de dictionnaire, mais par rapport au nom commun, bah, on n'en a pas forcément besoin, tu vois, dès qu'on rentre un petit peu, dès qu'on regarde un petit peu, on a quand même on a beaucoup de mots de beaucoup de prénoms. Voilà, on a des bonjours, on a un mot de passe, très rigolo. On a des villes, on a des coucous, ok, pourquoi pas. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez... voilà. Et donc oui, bon, voilà, sans surprise, beaucoup de prénoms, hein. Beaucoup de prénoms. Ah, il y en a un qui a voulu faire dans la longueur, on a un de... Enfin, il y en a 130, 136 personnes qui ont utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez. Donc on est vraiment pas sur du trait. Et donc du coup, là si on descend pour essayer de voir les premiers qui ont des caractères spéciaux, mais qui du coup sont. Oh, vous voyez, là on est toujours sur du. Oh là là. Ok. Là on est à plus de 30 occurrences encore à chaque fois. Hein. On a du 13, 13, 13. Il y a 35 personnes qui ont utilisé 13, 13, 13. C'est rigolo. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, ça me surprend un peu moins, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du 1, 2, 3, du Azerty, du Chouchou, du 12, 12, 12. D'accord, ok. J'ai pas fait gaffe, du coup, si ça se trouve, en fait, un peu plus haut, on avait des trucs. On a Toulouse, 31, avec une majuscule. Alors ça, c'est un truc que je voulais voir après. Les passwords à double syllabe identique. Oui, et puis alors, pareil quand on regardera Azerty sur le podium après. Alors, Azerty, il est où? Alors, Azerty, il est cinquième, hein, même pas la médaille en chocolat, tu vois, vous voyez, c'est. Alors, ça, étant donné. C'est pas forcément un réflexe pour des gens. Parce que oui, c'est sur le clavier, c'est facile à taper. Mais. Les gens vont aussi avoir tendance à utiliser des mots communs, bah la preuve, hein, ou alors des surnoms, des trucs comme ça. Mais le AZERTY, c'est pas forcément le truc. Alors, quand on regarde des tops internationaux, des trucs comme ça va être la version anglaise, effectivement, QWERTY qui arrive, on va dire, au moins dans le top 10. Mais mot de passe, la classique. Ouais, et encore, là, t'as la version, c'est les versions très simples. C'est des versions très simples. Hotmail, pourquoi pas. Bonjour 1, caramel, 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 13 caramel. Ah la vache. Bon, le site doit pas être jeune non plus. Hein. On va dire. Hein. Le site doit pas être jeune, mais quand même, caramel, quoi. Le 000000, il y en a 12. Alors, vous voyez, quand je disais qu'il n'y avait potentiellement pas de contraintes sur la taille des mots de passe,
entre le comment entre le entre celui-là, là on est à 4 caractères, là on est vraiment sur du on est sur du bon là, on est sur du très sécurisé. Et oh, invité de marque ce soir, Nidouille, bonsoir. 12 Bretagne. Ah oui, bah ça me surprend pas. Mais seulement 12 Bretagne, hein. Comme quoi les Bretons font. Alors il y a Bretagne, mais il y a Bretagne 56, Bretagne 29. Potentiellement, si on grippait, on trouverait peut-être un Bretagne 22 aussi. Et de quoi faire une belle attaque d'ICO. Oui, bah alors justement, on nous a posé la question tout à l'heure pour voir, pour essayer de comparer à des DICO connus, mais là en fait c'est un vrai DICO en soi. Hein, je sais pas. Et on a chocolat avec une majuscule. Oh, c'est rigolo. Hein. Voilà. Ah, tu vois, le mot de passe, il est là aussi, hein, tout en majuscule. Alors c'est vrai que là, si on essayait de compiler, alors je sais pas trop comment je pourrais le faire. Hein. Nounou, profession ou fantasme, les deux. S'il y en a, c'est les deux. Non, non. Mais du coup, bon, c'est vrai que là, on commence à arriver à la fin. Ah, il y a des Zliden 10, pourquoi pas? Oui. Alors, ça sent les. On est moins utilisé, mais là, on commence à arriver dans les noms dans les noms des chats aussi. Des animaux de manière générale, je pense. Mais du coup, et là, quand on commence à arriver, on a les variantes de loulou. Ah, ça déconne plus, hein. Donc ouais, si on commence à compiler comme ça des mots de passe qui commencent de la même façon. Mais là, c'est pas avec sorte qu'on va réussir à le faire. Je sais pas trop comment on pourrait s'en sortir. La correspondance avec le login. Alors le login, c'est. Ouais, alors ça aurait pu être rigolo. Mais comme je l'expliquais au tout début, mais t'étais peut-être pas encore arrivé. J'ai volontairement. Mon but n'était pas non plus de vouloir mettre le doigt sur les utilisateurs. Et en plus, c'était des adresses mail directement. Il n'y avait pas il n'y avait pas de notion de login. Donc du coup, j'ai préféré éviter toute difficulté. Comme je disais aussi, il y avait 15 000 personnes, 15 000, qui avaient mis le tout ou partie du nom du site dans le mot de passe. Donc ça, je les ai virés aussi, parce que mon but du jeu, c'était pas de mettre le doigt sur le site web en question. Parce que voilà, c'est. Même si le site web en lui-même a une très mauvaise pratique de stockage des mots de passe, hein, puisqu'on les a récupérés en clair. Les pratiques des utilisateurs dépendent pas forcément du site web. Bon, là, le fait qu'on ait des mots de passe qui soient genre 4 chiffres, c'est un code PIN, quoi. Ça se brute force en moins de 2 minutes, et encore. Surtout quand il n'y a pas de protection particulière sur le site web. Donc c'est un peu. Le Bretagne 22, il est là! Ok, bon, il n'y en a que 10. Non, c'est pas un leak récent, c'est une table de password que j'ai récupérée il y a peut-être 4 ou 5 ans. Peut-être plus 5 que 4, parce que là, on arrive déjà fin 2023. J'ai changé d'équipe en juillet 2019, donc ça fait déjà plus de 4 ans. Je l'ai pas récupérée juste avant de partir, enfin juste avant de partir, juste avant de changer d'équipe. J'avais dû le voir. Ah ouais, donc ça fait au moins 5 ans, je pense. Au moins 5 ans. Et comme j'expliquais, voilà, j'ai vraiment juste récupéré la colonne. C'est la colonne des mots de passe qui m'intéressait. Le reste autour m'intéressait vraiment pas. Et comment? Et du coup, comment? Et j'ai pas non plus été vérifié si quand on essayait de créer un compte utilisateur, il y avait un quelconque prérequis. Alors peut-être que depuis ça a été rajouté, hein, je dis pas. Ouais, non mais ça, la taille des mots de passe, on va y revenir après, ça, c'est un autre filtre. Alors je sais pas trop comment je vais réussir à le faire. Normalement, grep devrait permettre de nous le faire, mais.
Faut que je regarde. Ça fait partie des trucs qu'on va tester pour voir un peu les pratiques, les tailles de mots de passe. On a des variantes d'AZERTY, c'est rigolo. Ah mais le AZERTY, c'est le top list, hein. Non, le AZERTY tout court, il est top 5. Il est top 5. Et le top 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est magique. Alors, là, on retrouve du loulou, mais avec un L majuscule. Ouais, donc on en a 10 de plus, là. Alors qu'il était deuxième, je crois, le loulou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Pikachu avec un T. Attention, hein, on est sur de la phonétique, là. Donc voilà, mais alors par contre, c'est vrai, vous voyez que dès qu'on commence à demander, à forcer les gens à utiliser les trucs un peu poussés, on a quand même AZERTY 77, il y en a 9. Déjà, je sais même pas comment on peut penser. Bon, c'est-à-dire que c'est que des gens qui habitent en Seine-et-Marne, c'est ça? Donc c'est un peu. Et là, oh la vache! Oh la vache, oh la vache. Là, on a des dates de naissance. Ah, ça déconne plus. Ouais. Enfin, on a des années de naissance. C'est. On a un AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un. Avec une majuscule. Hein. Alors, le problème, ça, j'aurai l'occasion peut-être d'aller déterrer ça, mais. Ça peut paraître sécurisé parce qu'il y a beaucoup de caractères. Le problème, c'est que ce format-là. Ça, c'est une constante. Quasiment tous les gens qui ont eu analysé des leaks, des trucs comme ça, ont pu montrer. La plupart des sites web, quand ils vous disent qu'il vous faut des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, enfin, au moins un de chaque, mais surtout avec un minimum de caractères, vous allez avoir une majuscule au début, vous allez avoir des lettres, plus ou moins de lettres au milieu, vous allez avoir des chiffres et vous allez avoir le caractère spécial à la fin. Et du coup, c'est pour ça que des outils de crack, enfin de brute force de mot de passe, comme H4, que j'ai pas retenté d'utiliser depuis que j'ai ma nouvelle carte graphique. Donc j'avoue que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je repasse. Il faut que je refasse un jour. En fait, c'est le pattern qui tente par défaut sur des dictionnaires qui font des millions d'entrées comme ça. Et en plus, il est très fort pour faire des quantités de tests en parallèle pour essayer de déglinguer ce format-là. Parce que c'est quand on commence à demander tout ça aux gens, c'est ce qu'ils vont avoir tendance à mettre. Mais là, manifestement, il n'y avait aucune. Il était une fois. Ah, c'est rigolo ça. Ok, des doudous. Des doudous, des doudous. On voit que manifestement on a des variantes de Camille. Alors après, je sais pas, c'est quand la seule chose dont tu te rappelles, c'est ta date de naissance. Ouais, alors. C'est surtout qu'on ne. On voit pas les. Alors ce qui fait peur, surtout, c'est que se dire que ça. Potentiellement, alors en fonction de l'âge du compte, ça veut dire qu'à l'époque, il y a peut-être d'autres services qui acceptaient aussi cette taille de mot de passe-là. Et donc, des gens se sont amusés à mettre une date de naissance de 4 chiffres en mot de passe sur plusieurs sites différents. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les mots de passe qu'on voit là, il y a de grandes chances qu'ils soient réutilisés ailleurs. Y a pas de. On a un Bretagne 22 avec un B majuscule. Attention, ça déconne plus. On a des valises. Pourquoi pas? Valise cabine, oui. Singapour, Seychelles. Ok, d'accord. Ça, on n'avait pas encore trop vu des destinations un peu comme ça. On a 7 Tolkien. Alors comme je disais hein, tout à l'heure, il y en a qui commencent les noms d'animaux. Je sais que Tolkien a été pas mal utilisé sur des chats. On a quoi? Du Portugal 78.
Mon mot de passe est unique. Mais en fait, je suis quasiment certain qu'il est dedans. On l'a pas vu passer, mais on pourrait certainement trouver des choses comme ça. On a du Melbourne. Rick Curl, un surfeur. Ouais, il y a des chances. Ouais. Ouais, bon, ben, ça me surprend pas. Hein. Après, on a encore plus de variantes de Loulou. Bon, là, on commence à arriver. Vous voyez, plus ça va. Mais plus ça va, plus on a les. Oh, oh là là. Oh là là. En fait, j'allais dire des bêtises, mais on a un Zidane 1998. Ça déconne plus. Nanana, oui, c'est vrai que j'ai vu passer. On a 7 Bretagne tout court avec un B. Décidément, hein. C'est quand même assez terrible. Et zonzon. Ah ouais, non, non, mais c'est une mine d'or, hein, ce truc-là. On peut rencontrer, on a des variantes de soleil, je sais pas pourquoi. On a du Woodstock, oui, ok. Du Vincennes, il y en a qui sont vraiment... On a du Monique, du Marie Curie. Ah, quoi? Non, Marie Cruz, pardon. Marie-Claude, 6, ok, pourquoi pas. Et donc après, voilà, c'est. Donc là, pour l'instant, on est vraiment que sur les. On est toujours hein, sur la liste. Ouais, non, mais des fans de foot, des. Je suis sûr qu'on en trouve de partout, des noms de pays, des. Et. Plouf plouf, pourquoi pas, Porquerolles, oui. Bah ouais, non, mais vraiment, on peut en avoir des comme ça. c'est quand même assez c'est quand même assez terrible. Là, on a un mot de passe avec des espaces dedans. Ça, c'est pas courant, mettre des espaces dans le mot de passe. Nesquik. Alors, je l'ai pas vu, il devait y aller, c'est quoi, il devait être un peu au-dessus, c'est ça? Ah oui. Il y a 5 Nesquik, d'accord, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, du coup, ouais, et après, on est. Oh putain, encore des loulous. Je ne sais pas. Ah, celui-là, il est bien, celui-là. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a que des caractères minuscules, mais sinon, en termes de nombre de caractères, on est sur 11 caractères, ça commence déjà à être. Ça commence déjà à être propre en termes de taille. On a du Eastpak, pourquoi pas, 2017. Mais c'est. On est sur des. Ah bon, là, on commence à arriver sur des trucs un peu moins. Mais on est toujours sur des. On a toujours des trucs bambou, des Antoine, des pseu. On a un password avec un P majuscule. Il n'y en a que 5. Bon, en même temps, c'est un site français. C'était un site français, donc ça ne me surprend pas. Mais là, on voit par exemple rentrée 2017, rentrée 2018, il y en a quand même 5 hein, à chaque fois qui nous ont trouvé, qui ont trouvé le moyen de nous mettre ça. On a des fans de Desireless, pour ceux qui connaissent. Mais. Si elle surnomme Biquet. Juste CQ ou Q? On pourra tester les deux, hein, mais. On pourra tester les deux. J'essaye d'arriver à voir si même dans les mots de passe les plus. Les moins. On commence à arriver dans les 4, donc là c'est. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, mais. Parce que là je scrolle un peu vite, hein, parce que j'essaye de voir. Parce que généralement après, effectivement, dans les mots de passe les plus énervés. On est quand même sur un. On est quand même sur un certain niveau de. Alors, dans cette liste-là, par contre. Est-ce que je peux avoir vraiment que les mots de passe qui n'ont été utilisés qu'une seule fois? C'est vrai que là, quand on regarde la fin, on est vraiment sur les trucs les plus énervés avec. Avec des dièses, des dollars, des pourcents. Alors c'est très intéressant parce que du coup ça veut dire que le site web n'était pas si mal codé parce que pour tenir autant de caractères. Là par exemple celui-là il est un peu violent hein, quand même. Mais
C'est étoile filante, mais on a un esperluette, un étoile. Le étoile, souvent, il est très mal. Là, il y a du chevron, du point d'interrogation. Ah ouais, non, non, mais c'est. Pourtant, de mémoire, le site, la version de PHP, c'était pas la plus récente du monde, donc c'était quand même bien, bien pris en charge. Là, on a des parenthèses, d'accord. Là, on a des bourrins. Non, ça, souvent, des trucs comme ça, souvent, ça, c'est les générateurs de mots de passe. Ça, je pourrais vous le montrer avec le KeePass qui est déjà ouvert. Oui, parce qu'il a servi tout à l'heure. Quand on se sert de. Alors, par contre, il déconne, merci. Quand on se sert du générateur de mots de passe, voyez ce que ça génère là. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé. Je vais vous le mettre. Oui, pardon. On va le faire ça. Voilà. Donc un mot de passe comme ça, il est un peu. Alors ce n'est pas le site de la frappe, mais oui, tu as l'impression qu'il y a quand même un bout de thème qui se dessine. Mais ce n'est pas la frappe. Désolé. C'est pas la peine de tous les faire, je vais arrêter de répondre à ça. J'ai même pas vérifié si le site existait encore, mais tu me diras. Donc voilà, ça c'est le genre de truc. Mais donc dans les sites, voilà, dans les mots de passe qui sont uniques, souvent on voit du caractère spécial. Alors là par contre, c'est peut-être unique, mais c'est un peu dégueulasse, hein. Il y en a qui ont quand même utilisé des trucs chelous. Ouais, pourquoi pas. Du coup, je vais sortir de là. Quoique, attends, vous voulez chercher Biquet? On va chercher Biquet. Alors, avec ton orthographe à toi, on a un Biquet 1. Oui, il y a certainement des numéros de téléphone hein, dans l'histoire. Hein, ça ne me surprend pas du tout. On a au moins un Biquet un Biquet 1 tout en minuscule. C'est le seul. Donc, on en a un. Bien joué. Bien joué, bien joué. Si je cherche sans le C. Sans le C. Ah bah des biquets, il y en a plus. Hein. Sans le C, des biquets, il y en a beaucoup plus. On a même des petites biquettes. Parce que là, c'est les biquets, ils sont uniques. Mais si des biquets. Oh, biquettes. Biquet 10. Biquet 10. Biquet 41. Hein. On a 41 biquettes, hein, ça déconne plus. Hein. Après, on a du biquette 1, une petite biquette, mais ça, c'est de l'unique. Mon biquet 1950. Ok, pourquoi pas. Alors, je ne veux garder que ceux qui sont uniques. Du coup, je vais garder ce pattern-là, c'est-à-dire que là, on a un espace, un espace, parce qu'après les autres, c'est que du. On a plusieurs caractères. Du coup, je vais m'amuser à garder. Alors, il m'a pas pris le deuxième espace, je sais pas pourquoi. Voilà, espace 1, espace. Et après, je vais les compter. On va pas forcément les parcourir, mais je vais les compter. Sur les 585 000, on n'en a que 543 000 qui sont uniques. Ceci dit, ça revient plus ou moins à peu près à ce que j'ai fait tout à l'heure en termes de. Oui, c'est ça. Ça y est, je sais plus calculer. Non, non, je dis des bêtises, c'est encore autre chose. Parce que le 146 000, c'est le nombre de réutilisations, mais au global. Et du coup, le nombre de mots de passe uniques en tant que tel, eux, lui, il est que de 543 000. Mais effectivement, là-dedans, on a quand même une quantité de. Alors. Là, moi, ce qui. Du coup, on est à peu près.
Alors je vais me renoter ça de côté. Parce que j'avais dit que je voulais garder un petit peu. Hop. Là, ça va être plus compliqué. Comment faire un tri par la taille des mots de passe? Là, ça va être dur. Est-ce que sort pourrait me permettre de m'en sortir? Je suis pas sûr, ça me paraît un peu compliqué. Comment je pourrais le faire du coup? Comment je pourrais le faire? Je vois que ça veut péter des mots de passe. Alors non, ceux-là, ils ont même pas eu besoin d'être pétés, cher ami, bonsoir. C'est des mots de passe que j'ai récupérés sur un site web parce qu'ils étaient stockés en clair. D'ailleurs, toi qui adore la sécurité, hein. Il n'y a même pas besoin de les péter, ils étaient là, ils étaient visibles en clair dans la base de données. Mais je n'ai récupéré que ça. Non, là, du coup, j'essaye de faire un peu de statistiques et j'essaye de savoir comment je pourrais, en ligne de commande, les trier par taille. Et ça me... Je... Alors, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, mais c'est particulièrement... Ok, c'est tiré M. Non, 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 non. C'est une... C'est récupéré d'une table de base de données, en fait. J'ai récupéré que la colonne mot de passe quand on a découvert que c'était en clair. Et donc, il y a 700 000 mots de passe. Mais non, non, oh, 700 000 utilisateurs sur un Windows, compliqué. Compliqué, compliqué. Actif, hein, parce que bon, Mimikatz, c'est quand même fait pour récupérer des identifiants en mémoire. Je serais curieux de savoir, ça m'étonnerait d'avoir un serveur avec 700 000 utilisateurs Windows actifs. Alors, du coup... Je vais faire un truc, je pense. Je vais... Ouais, là pour l'instant, j'essaye de m'en sortir avec juste la ligne de commande parce que je verrais pas mieux comment m'en sortir avec un... Comment? Avec du Python ou un truc comme ça. Mais... Surtout là, à cette heure-ci. En vrai, il y aurait moyen, peut-être, mais... Juste pour la blague, il y a moyen de le faire en ligne de commande. C'est un peu détourné, mais si je le tente... Ouais, bah ouais, non. Alors, c'est très dégueulasse hein, ce que je fais, faut pas déconner, hein. Ah, tiens, je vais pas le prendre là. Pourquoi pas? Attention, ça déconne plus, hein.
des trucs dégueulasses. Ah oui, alors en fait, il faudrait que je le mette au début. Ok. Quoique, j'ai peut-être pas besoin de. Du coup, ça marche pas. Ah ouais, non, il me le fait que comme ça, pardon. Yes. Voilà. Et si je fais ça? Le fait de trier, ça risque d'être compliqué. Non? Ou alors je l'ai raté quand même. Alors, le fait est que c'est beaucoup plus long parce que là, il faut qu'il print l'intégralité. Comment je peux faire? Parce que là, si je fais ça, là, il va falloir être patient. C'est ça, à tous les coups, il est en train de bosser sa race. Ouais, le bash à 14%, d'accord, il est en train de bosser. Ouais, ça mouline déjà, mais c'est moins rapide que. Ah, le sort est passé. Non. Non, le sort est là, mais il n'a pas fini encore. Le sort, il attend, en fait. Oui, ce qui est normal, parce qu'il n'a pas encore eu sa sortie. Pourquoi le bash, lui, continue de mouliner? Normalement, on ne devrait pas y avoir besoin. Tant que ça. Je l'ai bien bourriné, en fait, hein, mais. En Python, je sais pas trop comment je pourrais comment je pourrais m'en sortir. Je suis en train de réfléchir à ça, mais parce que là, je l'ai sous forme de fichier. Ce serait quoi? Faudrait que je construise un tableau. Avec le tableau, je pourrais construire une colonne avec la taille de chaque mot que je pourrais trier après, éventuellement. Ça pourrait se faire avec du Python, ouais, bon, mais je sais pas quelle performance ça pourrait avoir comparé à le faire en brut. Admettons qu'on le fasse en Python. Mais là, c'est bizarre que ça déconne, enfin que ça galère à ce point-là. C'est le sort qui prend la sauce, parce qu'au début, juste affiché, on avait l'air de l'avoir rapidement. Après, le less peut afficher le résultat rapidement alors même qu'il n'a pas fini. Hein. Ça, je me suis déjà fait avoir. Notamment sur du parsing de log. Là, il nous fait quoi là? Ah, je l'ai déjà, ok. Là, il est en train de bosser, hein. Il est en train de bosser, ok. Ouais, avec du Python, en fait, on pourrait faire une première passe où on parse le fichier pour créer un tableau de 700 000 lignes. Ça me paraît, en termes de mémoire, ça me paraît pas optimal, mais pourquoi pas. Et en fait, une fois qu'on a ça, on peut travailler sur rajouter des éléments, c'est-à-dire typiquement construire une deuxième colonne où on a la taille du mot de passe. Et après construire. Mais. Avec Matlib.
J'ai jamais utilisé Matlib, alors du coup je vois pas trop, je vois vraiment pas. Mais pourquoi pas, hein, ce serait une façon de faire, hein, mais Matlib, je sais plus, il faut l'installer, ça fait partie du truc de base. De toute façon, à partir du moment où on parle de Python, je commence par ça. Alors ça, c'est les trucs que je fais toujours. Pouf pouf. Sur Steam, putain, faut que je démarre Steam. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de canaux de communication à l'artiste, hein, en dehors du SMS. Alors, hop. Tu te souviens de mon aventure avec Discord? Mais oui, alors ça c'est le résultat, mais ok, d'accord. Et donc avec Matlib ça peut le faire, mais du coup faut faire quoi? C'est pip install Matlib, c'est ça, à tous les coups? Oui, voilà. Mais alors du coup moi après j'ai jamais été. Alors, hop. Ah ouais, la capture devrait être encore plus petite, c'est un bonheur. Ok, je vois. Je vois. Alors par contre, si... Hop. Matplotlib. Ah oui, c'est encore autre chose, ça. Encore autre chose, ouais, voilà. Ouais. Attends, on va voir si. Oh putain, il mouline toujours. J'avoue que 700 000 lignes, là, on atteint peut-être la limite de ce qu'on peut faire avec du bash. Mais. Mais du coup, ça c'est quoi? Donc ça c'est ton résultat. Alors comment je pourrais implémenter ça différemment parce que j'ai pas de. Tac tac tac, c'est quoi item info participant? Ok. Tu rajoutes de machin, placement. Ensuite, tu fais un histogramme pour avoir des graphes. Ouais. Ouais. Ouais, bonne question. Parce que là, ça mouline toujours. Je parie que si je fais ça. Ouais, il est toujours. Oh la vache. Ah ouais, non, mais là, il en est là. Ah ouais. Ok. Sinon, Excel. Alors, moi, j'ai pas Excel. Mais tu penses qu'un LibreOffice pourrait s'en sortir là-dessus? C'est le genre de truc que je voulais éviter, mais. Le problème, c'est que le LibreOffice, est-ce que je vais réussir à ouvrir le fichier depuis le... Alors non, oui, a priori oui, mais...
C'est du latin 1, c'est même pas de l'UTF-8. Ah oui, d'accord, pourquoi pas. Let's go. Alors. Déjà, on va se l'ouvrir dans. On va se le garder dans le Windows. Tu veux l'enregistrer en CSV? Enregistre-le en CSV, pourquoi pas. Non, allez, ODF. ODS. Hop. Il y a beaucoup de fonctions qui sont identiques, hein. Donc après, si tu vois un peu comment faire le truc, c'est vrai qu'après on peut faire un truc comme c'est quoi, c'est non, c'est quoi fonction? NBK, c'est beau ça. Alors, égal NBK de... Hop, voilà. Et je sais plus si on fait un truc comme ça. Est-ce que du coup il est... Ah, alors déjà j'ai un petit bug parce qu'il s'est arrêté là. Effectivement, ça marche. Et après on peut trier comme ça. Ah, c'est vrai qu'il y en a où il y avait des espaces. J'aurais pas dû mettre de séparateur quand j'ai fait l'import. Ouais, c'est ça. Hein. Après, tu fais donner. Je sais plus, putain, c'est quoi ces filtres auto-filtres, ça. Ah oui, alors non, déjà, on va retourner tout en haut. Ah! Voilà. Données, on va virer l'autofiltre, insertion, faire insérer une ligne au-dessus, voilà. Mettre. C'est pas ça. MDP, là on va mettre taille, hop, on fait ça, hop, données, on fait autofiltre. Une fois qu'on a fait ça, on a les filtres et là on peut choisir en fonction de la taille. Quoi que je veux juste ce filtre là, donc t'es gentil, mais ouais, ça a été mal trié. J'aurais pas dû mettre de séparateur quand j'ai fait l'importation, donc tu vois déjà, genre c'est le genre de truc où faut déjà commencer par recommencer. Alors du coup, on va faire ça, on va ne pas enregistrer, on va rouvrir le fichier texte. Sauf que là. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais en fait, il faut le faire comme ça. Faut faire un fichier, ouvrir. Filter name. Voilà. Et là, je lui dis, tu laisses tomber, tu m'enlèves les séparations. J'enlève les notations. Le type de colonne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de séparateur, de chaîne de caractères. Ouais, je vais le laisser comme ça, mais j'espère qu'il n'y en a pas. Puis on va le faire comme ça, parce que là, sinon, en fait, il va me... Alors, insérer une ligne au-dessus. Je vais mettre PWD. Hop. Lange. Avec les tableaux croisés dynamiques, tu peux faire des tri par taille. Oui, mais on parle de croisés dynamiques. Là, moi, j'ai juste une colonne basique, bête et méchant. Donc bon, c'est pas, je vais pas m'embêter à faire du tableau croisé dynamique pour ça. Bon, déjà, on a plus de. Alors, NBK de A2. Ok, là on fait ça, et si je fais ça, normalement, il mouline, et si je vais. Alors, c'est quoi, c'est. Non, c'est contrôle. Ah, là j'ai une ligne vide en plein milieu. Ok, pourquoi pas. On va continuer. Alors, pourquoi il s'est arrêté encore? Une autre ligne vide. Putain, j'ai quelques lignes vides hein, avec l'importation via...
C'est potentiellement sur l'intérieur. Je croyais qu'il y avait pas pire en base de données qu'un tableau Excel. Ouais, alors. Comment dire? Si c'était le cas, t'aurais pas encore autant d'entreprises qui s'amusent à faire des croisements de données monstrueuses pour faire des exports et des statistiques via Excel. Ça, un jour, on s'en passera complètement. Mais malheureusement, c'est encore très, voire trop utilisé. Donc, c'est un peu dommage. Alors, si je fais un tri croissant... Non. Putain. Annule. Alors, déjà, c'est comme ça. Hop. Pourquoi il... T'es gentil, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ouais, Excel, c'est... Il y a même beaucoup trop de fonctions, hein, vraiment. Mais c'est pour ça que, en plus, comme je dis, on n'a pas forcément besoin de... Alors, pourquoi je peux pas... Ah oui, parce qu'il faut que je fasse ça et que je choisisse la colonne B. Si je veux le faire en décroissant, comme ça va nous donner le mot de passe le plus long en premier. Et après, on testera dans l'autre sens pour avoir... Alors là, on a un problème. On a soit un problème... Il y a même des compétitions. Mais j'avoue que je me sers pas assez d'Excel. Honnêtement, ça me bassine tellement. Je pensais pouvoir rester en ligne de commande, mais manifestement, on n'est pas prêt d'arriver au bout du truc. C'est fou furieux. Ouais, alors c'est. Tu sais, et puis c'est pas prêt de s'arrêter parce que mine de rien, c'est quoi? J'ai vu passer quoi il y a pas longtemps? Bah Microsoft a introduit l'utilisation de Python dans Excel. En plus du VBA. Bon, comment dire? On n'est pas au bout de nos peines, c'est ça? On va le dire comme ça? Donc là, on serait sur une base de... Alors là, je ne sais pas pourquoi, il va péter des câbles avec des trucs à 52 000, machin, etc. Mais là, on est sur une base de 37 caractères. Alors je vais quand même... On va tester de confirmer ça. Est-ce que... Hop. Et on est bien à 37 caractères. Bon, bah déjà, ça déconne pas. Pourquoi cela, ça déconne, j'en sais rien. D'accord, parce qu'il y en a qui n'ont pas été... il n'a pas détecté de retour à la ligne. Du coup, le truc fait... est-ce que j'ai un... Ouais, voilà. Il n'a pas bien pris les retours à la ligne pour certains. Du coup, il m'a détecté... j'en ai certains avec 52 000 caractères. Ok, allez, voilà. Hop. MEWC. Putain, mais vraiment, c'est... Alors, ça, c'est du MuCoin, donc ça doit être autre chose. Si je fais ça... Mobile World Congress, non, ça, c'est pitié. Microelectronics Camp, non. Excel eSport, d'accord. Excel World Championship. Donc celui de cette année, il est... Ah bah il a démarré cette semaine et ça va durer jusqu'au mois de décembre. D'accord. D'accord.
C'est... Mais pourquoi? J'ai envie de dire, mais pourquoi? Non, je comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas à... je n'arrive pas à comprendre le... Non, mais je veux pas l'éditer là. Pourquoi il m'emmerde? D'accord, je peux plus voir la colonne de 35. Bon, bah tant pis. Bon, on est sur de la base de 37 caractères. Et si on va tout en bas de la liste, le minimum, je crois que c'était 4. Est-ce que c'est 4? Non, il y a moins. J'ai vu moins. J'ai vu moins. On a du 1 caractère. Alors là, celui-là. Ouais, bah en fait j'aimerais bien le faire moi-même, mais oui, effectivement, je peux éventuellement le mettre à disposition. Mais j'aurais bien aimé le trouver moi-même. On a vraiment ça? Bon, j'abandonne. j'abandonne, j'abandonne, mais on a vraiment des trucs où on n'a qu'une seule... Un seul caractère là-dedans? Est-ce que ça va marcher ça? Invalide option. Invalide Max Kunz, bah oui, mais je te demande de... Je le fasse comme ça, c'est ça? Ah oui, bah oui. Ok. Ah ouais! Oh la vache! D'accord, donc on... Et on en a trois des comme ça. Ok. Ah oui, donc c'est un petit peu... C'est un petit peu violent. D'accord. Alors du coup, si je reviens à mon histoire de machin, là... Je vais repartir au début. Si j'enlève tout ce qui est... On considère que... Alors je sais plus, les recommandations, ça va être quoi? C'est con parce que... quelque part, dans un coin, j'ai les bouquins de l'ANSSI qu'on a récupérés au mois de juin, avec notamment la pratique en matière de mot de passe. Parce que, pour être honnête, hein, 8 caractères, ça tient plus. Mais comment? Mais je voulais voir la quantité de mots de passe qu'on avait à moins de 8 caractères, je pense. Moins de 10 caractères. Allez, on va prendre ça. Donc on va filtrer, on va virer tous les... remarque, j'ai plus vite fait de tous les décocher, de garder que ceux qui ont 1, 2, 3, 4... Oh, et ça, c'est abusé quand même. 1, 2, 3, 4 caractères. En dessous de 8, franchement, même en... 12 ou 13? Ouais. 12 ou 13 caractères, je sais pas. Je sais plus. Je l'ai quelque part ou pas? Non, non. Est-ce que je l'ai rangé? Non, ils vont pas être de ce côté-là. Ils vont être là-bas. Ils vont être là-bas. Ils vont être, c'est quoi ça? Oui, ils sont là. Alors. Donc les fameux. Les fameux. Alors. On a quoi? Le guide d'hygiène informatique en 42 mesures. C'est pas celui-là. Recommandation de sécurité pour l'architecture d'un système de journalisation. Non. Hop. Recommandations relatives à l'administration sécurisée des systèmes. Non. Hop.
Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et au mot de passe. Voilà. Donc. oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de. Alors, il date de. C'est la version 2 de 2021. Politique de sécurité des mots de passe. Longueur des mots de passe, page 27. Alors, page 27. Longueur des mots de passe. La robustesse d'un mot de passe est généralement mesurée au moyen de l'entropie exprimée en bits. Oui, oh, il y a les mollos. Il est souvent efficace d'allonger un mot de passe. Oui. Imposer une longueur minimale. Alors, donc, en 2021, on nous disait que de faible à moyen, c'était entre 9 et 11 caractères, et de moyen à fort, c'est entre 12 et 14. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc, page 28. Alors, je vous remets vite fait la webcam en gros. Hop. Avec la lumière, vous n'allez pas le voir. Bon, tant pis. Ça va être la galère, et en plus, j'arrive pas à bien voir. Mais voilà. Ce guide-là existe en PDF sur le site de l'ANSSI, si jamais vous êtes intéressé. Sinon, voilà. C'est toujours rigolo de l'avoir. Donc, je disais, du coup, on va revenir sur le bureau. Pouf, pouf. Donc, c'est inférieur à 12. Inférieur à 12. Hop. Voilà. Et donc, inférieur à 12. Hop. Ok, inférieur à 12, j'en ai combien? Eh bien, c'est la majorité, hein. On est à 665 172 lignes. Alors, sachant que là, on n'a pas viré les doublons, hein. Là, c'est le nombre de mots de passe total dans la base de données qui font moins de 12 caractères. J'avais sorti un graphe il n'y a pas longtemps sur la sécurité des mots de passe sur Telegram. Un graphe? Alors après, des statistiques, il y en a qui sortent tous les 6 mois, hein, un peu de choses près. Chaque année, on retrouve les top 500, les top 100, le nombre de réutilisations. J'ai 16 dans mon qui passe. Alors, bah typiquement, moi, dans le mien, par défaut, il génère 20. J'ai une petite routine en local dans mon bash aliasis qui s'appelle passgen, où je prends 24. La version de cette fonction-là sur mon. Comment? Sur mon PC Pro, c'est 32. Et on a eu la rigolade il y a quelques années maintenant, avec une connaissance sur Telegram aussi, qui discutait, qui comprenait pas pourquoi son mot de passe à 128 caractères passait pas sur son MySQL, sur sa base de données. Son utilisateur de base de données, il essayait de mettre un mot de passe à 128 caractères sur l'utilisateur, et quand il essayait de le rentrer, ça marchait pas. Et ce qu'on a fini par découvrir, c'est que de manière complètement silencieuse, le client, au moment de passer le mot de passe au serveur, avait tronqué le mot de passe, il l'avait coupé en deux, parce que le maximum qui était enregistrable, c'est 64 caractères. Mais de toute façon, la sécurité d'un mot de passe, au-delà de sa longueur brute, c'est d'abord son unicité, c'est-à-dire que on utilise, dans la mesure du possible, pas un mot de passe sur plus d'un service à la fois. Honnêtement, même moi, je le fais pas. Donc, on va pas, je vais pas, je blâme personne pour l'instant. Mais la bonne pratique, c'est d'avoir un mot de passe unique pour tous les comptes, pour chaque compte qu'on utilise. Pourquoi? Bah parce que c'est pas compliqué. Des fuites de données, maintenant, on en entend 3 ou 4 par jour, facile. Et que si on fait pas ce travail, et ben le mot de passe en question, une fois qu'il a filtré, c'est surtout l'identifiant et le mot de passe, les identifiants étant souvent des adresses mail, ben une fois qu'on a récupéré ces identifiants-là, ça peut être réutilisé ça peut être du coup, une fois que ça a sorti une fois, ça peut être testé sur plein de sites différents.
Et on se retrouve avec des compléments de... Comment? On se retrouve avec des compléments de leak, entre guillemets, parce que ces comptes-là ont été retestés ailleurs. Je te taperai si tu voyais mon IGN Sécu, t'as pas vu la mienne, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai... Alors, c'est pas affiché en gros autour de l'écran avec le post-it à la TV 5 Monde, hein, mais sur l'ordi portable, j'ai un fichier dans lequel j'avais commencé à faire l'inventaire des comptes et donc des utilisateurs et des mots de passe. Donc j'ai un tableau LibreOffice sur mon ordi portable sur lequel il y a une colonne avec le... J'ai une liste de login mots de passe pour tous les sites que j'utilise. J'avais commencé à faire l'inventaire pour justement remplacer ça par des... Comment? Par des mots de passe générés, uniques, voire pour fermer les comptes, tout simplement. Parce que quand les comptes ne servaient plus, voilà, je trouvais pas d'intérêt de les garder. Mais c'est d'une violence, par contre, le 672 000, mais alors, si on essaye quand même de... Allez, on va dire au-dessus de 6 caractères. Si c'est plus, ça donne quoi? Six cent quarante-sept mille, hein. C'est chaud. Tu m'as renvoyé mon graphe. Alors, pour éviter l'incident diplomatique. Ah oui, bah ça c'est... Oui, alors... Oui, ça c'est quand on parle de brute force. Oui, effectivement. Alors du coup... c'était Léa Linux. Ok. Alors, Twitter, les A, Linux, et du coup, le statut, on va essayer de le retrouver, 1648, je ne l'ai pas, c'est un bonheur. Alors, on va le retrouver, hein. C'est pas la mort, mais... c'est pas la mort, mais il faut taper plein de chiffres. Alors, je suis désolé, c'est pas un truc pour 48. C'est quoi, 74? En plus, j'ai des gros doigts, c'est un bonheur. 81. 43. 60. 79. 47, 276. Et j'ai pas fait de faute. Parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, effectivement. Donc c'est les tableaux pour dire, vous voyez, en dessous, même 12 caractères, s'il n'y a que des chiffres, c'est mort. C'est même plus la peine. Alors, par contre, si, la taille compte toujours, hein. La taille compte toujours. C'est juste qu'il faut coupler la taille à la complexité. Et une fois que tu as fait ça, à l'unicité. Parce qu'en fait, comme je dis, voilà, des trucs comme ça, la plupart... Là, j'ai eu la chance, moi, cette table-là de mots de passe, elle était déjà en clair. Mais la bonne pratique de mots de passe, c'est de chiffrer les mots de passe, de hacher même. C'est pas de chiffrer, c'est carrément de hacher les mots de passe, c'est-à-dire de les stocker sous une forme qui n'est pas récupérable. Et après, quand vous essayez de vous identifier, on repasse la même moulinette que celle qui a servi à enregistrer le mot de passe, on compare les deux, et si ça match, ça veut dire que c'est les deux mêmes. La moulinette en question étant normalement censée garantir que qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas générer deux résultats. Ouais, mais tu vois, le MD5, par exemple, le MD5 et même le SHA-1, le MD5 et le SHA-1 sont plus considérés. Il y a des attaques connues très énervées
sur le MD5 pour générer ce qu'on appelle des collisions, c'est-à-dire qu'on a deux contenus différents, on passe l'algorithme dessus et ça vous donne le même instantané. Le sel, c'est lié au hachage, mais l'idée, c'est de pas juste stocker la valeur de base. C'est pas juste stocker le mot de passe dans la base, c'est de lui rajouter une composante avant de le stocker. Un exemple que j'avais trouvé à une époque, on cherchait à réinitialiser le mot de passe. On cherchait à réinitialiser le mot de passe d'un. Comment? Bah, c'est pas forcément dans le hash, ça peut être aussi dans le mot de passe de base. Comment? Mais du coup. C'est quoi? Magento, reset, admin, password. Hop là, voilà. Voilà, et du coup, en fait, dans la base de données, en fait, il y a le mot de passe. Il est préfixé d'un élément qui est unique, mais qui est stocké à côté dans la base. C'est pas parfait, mais si jamais il n'y a que ça qui saute pour X raison, on n'a pas ça. En fait, l'avantage, c'est que surtout dans la base de données, bah ça, c'est unique à l'utilisateur. Et du coup, on n'est pas obligé de. Comment ? On peut avoir un sel différent par mot de passe, ce qui fait que. On ne peut pas automatiser et accélérer le décryptage de ça, le brute force de ça, parce qu'on ne peut pas réutiliser une partie de l'élément pour identifier les mots de passe. On est obligé vraiment de forcer le truc à chaque fois. Et comment? Bon, du coup. Voilà, le sel, c'est ça. Et ça permet effectivement, comme tu dis, de renforcer, comme le dit Nacrine, de renforcer un petit peu le fait d'utiliser des algorithmes de hash comme ça. Donc là, c'est du SHA-2. Bon, ça, pour le coup, le SHA-2, a priori, SHA-2, SHA-256, je sais pas trop comment on doit les appeler les deux, là. Mais eux, pour l'instant, ils sont encore solides. Mais MD5 et SHA-1, qui est SHA-1, SHA-1 qui ont été les plus utilisés pendant très très longtemps, eux maintenant il y a des attaques connues. Quand c'est sorti, on a même vu en l'espace de 2 mois même des générateurs en mode navigateur web pour générer automatiquement des contenus qui permettent d'avoir des empreintes comme ça qui sont. Sont identiques et après en soi je sais plus, il est installé, ouais, je peux faire ça parce que générer un truc comme hop, hein, ça va même très très vite. Donc, vous voyez, le fichier fait 700 000 lignes, en fait ça vous génère un truc qui fait 32 caractères et voilà. Et en fait bah les mots de passe, ils sont stockés comme ça. Alors le SHA-256, ça va un petit peu, ouais, non mais le MD5, ça y est, c'est complètement éclaté maintenant. Alors dans la majorité des cas, on continue quand même de le proposer, mais vraiment, c'est plus. Et au début, on se disait, bah ok, pas de problème, on va utiliser SHA-1. Et puis sur SHA-1, ils ont trouvé il y a quoi, 3 ans maintenant, je sais plus. Les collisions SHA-1. ...2019, donc il y a 4 ans. Voilà. Et donc... quoique, non, la première... 2017. Ah oui, quand même. Ok, donc voilà. Donc, en fait, on a décidé maintenant, on a trouvé le moyen maintenant
de générer aussi des collisions avec du SHA-1. Et là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'autant le MD5, bon, à part pour du stockage de trucs, ça allait. Un autre usage qui, là, a beaucoup fait chier les développeurs et qui est encore en train actuellement de poser des problèmes, c'est sur Git. Donc le fameux gestionnaire de version de code source, là. Bah, Git, tous les éléments de stockage, les empreintes, etc. Alors peut-être pas dans celui-là, mais si je vais. Je vais aller où là? On va faire ça. Hein. On a quoi? C'est Gitlog, voilà. Donc là, le commit là, bah ça c'est une empreinte SHA-1. Et donc en interne, Git il utilise du SHA-1 un peu partout. Et du coup, ils sont en train de bosser pour remplacer SHA-1. Le problème, c'est dans un outil aussi critique que Git et aussi utilisé, comment on fait pour garder la compatibilité sur un projet là comme celui-là, hein, dans lequel on a déjà des choses. Comment tu fais pour garder la compatibilité ascendante avec du SHA-1 tout en pouvant générer des trucs du nouveau stockage avec du SHA-256? Bah ça, pour le coup, pour l'instant, je sais pas trop où ils en sont. Je suis de très loin. Pour le coup, je suis pas ultra au fait. Je laisse venir parce que j'ai pas non plus un usage ultra avancé de Git, mais je sais que ça va être très 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 problématique à gérer et c'est tellement utilisé de par le monde que ça va être très compliqué d'arriver au bout du rouleau. Il me semblait avoir lu à un moment donné qui voulait dire ok bon bah ça concerne que les nouveaux projets. Des live sécu. Oh. Bah on parlait de Keepass, on en refera peut-être justement parce que je veux tester Vault Warden. Donc on va tester un nouveau gestionnaire de mot de passe. Dans le futur. Je sais pas encore quand. Dans peut-être pas si longtemps que ça, parce que ça pour le coup ça va être sur Kubernetes et ça va être facile à déployer. Donc du coup, bonne soirée! A plus. Des lives autour des logs SIEM. Alors, autour des logs, ça j'en ferai. Parce que je dois à un moment donné faire de la collecte de logs sur mon cluster. Parce qu'à un moment donné, pour l'instant, j'ai absolument rien. Dans une galaxie de sujets plus larges qui concernent le monitoring. Mais la partie SIEM, là pour le coup, je suis vraiment très. Mais en vrai, ouais, clairement, on le fera peut-être à demain parce que c'est. Comment? C'est quelque chose que je connais pas du tout, que je connais vraiment pas du tout. Pour te dire la grosse blague, le plus proche d'un Splunk que j'ai approché, en fait, c'était juste pour installer des prérequis d'infogérance sur des machines. J'ai vu la taille des machines, j'ai vu la taille du parc qui était grotesque, mais vu comment ça agrégeait des quantités complètement hallucinantes de données, je comprends. Mais j'ai jamais accédé à l'interface parce que c'était pas mon travail. Donc du coup, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait vraiment. Donc là, pour le coup, je partirais de zéro en termes de découverte d'un système comme ça de SIEM. Ce serait vraiment tout nouveau pour moi. Donc j'ai un peu de chemin à faire, mais vraiment, clairement, c'est le genre de sujet qui pourrait venir aussi. Hein. On va peut-être se le garder dans un coin. Ouais, clairement, clairement. Mais parce que là, pour l'instant, moi, j'ai rien, hein. J'ai pas de monitoring, tout est à poil. Hein. J'ai fait le ménage pour dire, ok, je repars sur des bases saines. Mais j'ai très peu avancé depuis. Comme je voulais varier un petit peu, parce qu'après avoir fait 4 ou 5 lives d'affilée sur Kubernetes, moi, je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol et je voulais varier les sujets, donc voilà. Mais ravi de t'avoir découvert via ton dernier replay sur K8S. Ah! On va en refaire, hein, si vraiment c'est ça qui t'intéresse le plus, on en refera, mais plus tard. Enfin, plus tard, peut-être pas dans si longtemps que ça. Si je parle justement du monitoring et du logging, ce sera pour du Kubernetes. Donc voilà. Il faudra qu'on. Donc voilà. Bonne soirée à vous.
Et du coup, alors du coup, on a bien débordé. On a bien. Tac, 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 tac. Alors c'est là où du coup je voulais choper. Je parlais justement de la. Du profil de mot de passe. Je sais pas comment je vais pouvoir faire une recherche. Bonne soirée, Frenchy. Un jour, il faudra que je trouve comment prononcer. parce que je voulais justement essayer d'identifier la quantité de mots de passe qui respectait le fameux pattern dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, je sais pas comment le faire avec. Je vois comment le faire avec. Enfin, je pense savoir comment le faire avec grep. Mais parce que là alors non c'est voilà je l'avais fait là ouais, alors par contre comme j'ai fait du strass et que je me suis un peu pété la console. Ah oui, j'ai même pété l'historique. D'accord, ok. Ah vache. Bon. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, du coup, la comparaison dictionnaire, bon, on n'a pas trop besoin, hein, c'est un dictionnaire en tant que tel, hein, honnêtement. Là, pour le coup. Alors on pourrait, hein, je pourrais éventuellement. Trouver un dictionnaire et faire des comparatifs. Vu les dégâts que ça a été. Alors pour le coup, le dictionnaire et le comparatif avec un tableau, ça pourrait le faire, mais. Mais. Le problème, c'est que je sais plus le faire. Donc je pense pas qu'on va le faire là. Alors si vous cherchez une liste comme ça de mots-clés qui ont pu servir de mot de passe, ce qu'on appelle une word list, dans les word lists les plus connues, il y en a qui s'appellent Rokyu. On va faire ça. Si vous travaillez sur... Voilà, il y a 8,4 milliards de mots de passe dans cette liste-là. Alors, sans accepter. Donc voilà. Donc 8,4 milliards de mots de passe. Donc autant vous dire que cette liste-là, quand vous commencez à vous en servir, vous en trouvez des solutions, hein. Vous en trouvez assez facilement. Je vais pas le faire ce soir, mais je vais me le noter. On va se le noter dans le fameux dans le fameux tableau des sujets. On va se faire une nouvelle note. Ouais, plus tard. Password. On va faire un test de brute force. Un jour, avec la carte graphique pendant qu'on est en train de stream, ça va être bourrin. Mais l'idée, ça va être, on va générer des mots de passe, on va se les hacher, etc. Et on va tenter de voir comment la carte graphique s'en sort en utilisant justement notamment une... c'est H4, hop, génération, utilisation de Rokyu. Je note vraiment tout ça en brut, mais... qu'est-ce qu'on avait aussi? Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Ah oui, donc la partie vitesse, monitoring. C'était. Ah, et du coup, maintenant que j'ai fait ça, oui. Key vitesse, monitoring, slash CM. Hop, voilà. Slash login, slash CM. Voilà.
Donc ça c'est noté. Et qu'est-ce que... Hop. Du coup, comment on pourrait faire? J'ai push en même temps que le live, j'ai la tête qui va exploser. Ouais, bah je regarderai demain matin ce que t'as fait. Ou demain après-midi en fonction de comment je me sortirai. Alors, là on a un truc. On peut faire, on a une fonction match. Alors ce qui est très rigolo, c'est que ça c'est une fonction qui est en anglais. Et le problème, c'est que le jour où vous voulez faire ça, et que vous voulez chercher. Alors déjà ça a changé, le lien est plus valide. Mais comme il s'amuse à traduire les fonctions, on a vu, hein, la fonction c'est nbcar, hein, et le car c'est car pour caractère en français. En anglais, vous auriez la même fonction avec un h en plus, parce qu'en anglais c'est caractère char. Donc voilà. Alors, du coup. Voilà, match, il connaît pas. Alors du coup, ça va être quoi? Ça va être modèle. Non. Alors, on va regarder dans dans la liste des fonctions, on va regarder ce qu'on a. Catégorie. Catégorie, ça va être dans texte. Alors on a quoi? Cherche. Hein. Joindre, non. Gauche non plus. Nombre de caractères non propre. Regex. C'est malheureux si c'est ça. Trouve. Oh, il me plaît bien celui-là. Trouve B, c'est quoi? Position d'octet. Non, ça on s'en fout. Chercher le texte, alors c'est là où on va faire A-Z. Ah, le problème c'est que je connais pas le format. Ça va être après, ça va être quoi? A-Z plus. Hein, je sais pas. Après, deux points, num. Alors, le problème, c'est que là, je suis en train d'écrire comme si je le faisais en ligne de commande, donc c'est un peu la galère. Un truc comme ça. Ah, mais en vrai... Bah non, voilà, erreur 507, ça veut dire quoi ça? Ah oui, mais alors là, on est dans le wiki, d'accord, ok. Pour match, ok. Alors, si on veut éditer la formule. Là, on n'a pas l'option. Hein. Chercher le texte, non. Ah oui, mais là, j'ai pas dit quel texte c'était. Ok. Non, ça va pas mieux. Hop. Alors, du coup, on va reprendre. Je veux bien, mais. Enable... Ah oui, putain, ok. J'ai pas activé le. D'accord, outils. Option LibreOffice Calc, compatibilité, non, c'est pas ça. Formule, jamais recalculé, séparateur, paramètre par défaut, calcul, ça va pas être ça. Calcul, exactitude, recherche automatiquement, activer le calcul parallèle,
Respecter la casse. Fais ça. Général. Étendre le formatage. Hop. Je sais plus ce qui reste. Valeur 0, référence ancrée, commentaire. Non, c'est pas ça. Puis ça, c'est de l'affichage. Calcul. On est... Formule. Utiliser les noms de fonctions anglais. On pourrait. Je le ferai plus tard. Grille imprimée, compatibilité, modification. Non. Liste de tri, non. Non, bah, j'ai pas d'option pour. Alors après, c'est de manière générale dans. Police, personnalisation, accessibilité, ça peut être là-dedans. Non. Non, non, non. Alors. Non, mais après, c'est peut-être le format des. Le format qui correspond pas bien. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas comment. Tac tac tac, donc on a quoi? On a les lower et les upper, hein. Donc voilà, en fait, il devrait y avoir un. Il y a un monde où on est capable de. Où on est capable de gérer ça. Hein. Je commence à avoir mal au dos. Je commence à avoir faim aussi. J'ai encore pas mangé, c'est une catastrophe. Always case insensitive, d'accord. Ok. Je sens que je vais pas trouver ce soir. Putain, j'y arrive pas. Hein. Ça commence à être. Parce que là, si je fais ça, je mets juste ça. C'est erreur quand même. Bah, alors j'ai du mal à comprendre. Ah, ou alors c'est l'inverse en fait. Il faudrait que je mette la formule là et que je mette la cellule là. Chercher le texte est requis. Bah ouais, non, c'est le texte que je cherche. C'est ça, donc en fait, c'est ça. Il faut que je. Ou alors, c'est parce que j'ai encore laissé. Non, ça ne marche pas. Bon. Je sens que ça commence à. Ça se passe un peu moins bien, là, cette fin de. Alors. Tant pis, du coup, faisons le ménage. Je commence à avoir un peu trop de trucs d'ouvert. La calculatrice, on n'en a plus besoin. Alors. Alors. Après, peut-être que je refasse une recherche plus récente aussi, hein, je ne sais pas, mais. Peut-être que ça va être ça. Tac tac tac, donc là on est où? On est sur le forum LibreOffice, ok.
Non, c'est pas ça. Ouais, ça, le VLOOKUP, ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé par le passé. Mais c'était il y a 17 ans. Ça fait mal. Pour chercher du contenu de deux tables, de deux onglets différents, de deux tableaux différents. Pour matcher du contenu et faire derrière des correspondances, des statistiques. Ça, j'y arriverai pas. Hop, SHA-1, ok. Ah oui, tiens, je me suis noté. Ça, c'est le sujet d'un prochain stream. Hop. Je veux me débarrasser de ma base SQLite. Et du coup, je me suis trouvé des ressources. Est-ce que c'est pas trivial? Donc je me le mets là aussi. Hop. Ça, c'est la fonction regex, d'accord. Non, mais je peux pas faire ça. Alors par contre, si ce truc-là existe, Excel-aide en français, il n'a pas trouvé. Trouve fonction. Ah, alors. Mais du coup... Est-ce que je peux utiliser du regex là-dedans? Envoie la position d'une chaîne dans une autre chaîne. Vous pouvez également définir. Ah ouais, je peux pas lui passer la référence. D'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment pas ce truc-là. Ça va vraiment être la fonction regex en fait. Texte point virgule expression. Ah oui, donc en fait, il faut vraiment que je me... C'est vraiment la fonction regex. Donc si on veut faire ça, ça va être quoi? Ça va être... On va virer ça. Ça. Regex. Texte. Un machin. Expression, et c'est là où ça va être A-Z. Si je dis que c'est de l'alpha, est-ce qu'il le trouve? Non, ça merde aussi, mais oh, c'est pas possible cette histoire. Je le mette entre guillemets. Comme ça. Mais oui. Non, mais tu déconnes. Sérieux? C'était ça depuis tout à l'heure?
Non, je t'ai pas demandé gamma, je t'ai demandé juste G. Non mais... Oh, il m'embête. Non, il a pas aimé. Et pourtant, je veux pas remplacer, donc en fait... Ah oui, c'est ça, première chaîne, deuxième le pattern, point virgule, et le G. Remplacement global, mais il n'y a pas de remplacement en fait. Parce qu'il faudrait que je fasse... si je mets un plus comme ça... Non, alors déjà, il faut que je... Si je vire ça... Ah ouais. Ouais, donc en fait, si je fais alpha num... Ah, erreur 502. Je connais pas le alpha num. Bon. Je parie qu'on a plus de... On a plus de furieux. Alors, c'est ICU. Ah. ICU, il y a peut-être moyen, du coup. Letter. Unicode catégorie. Oh là, ah oui, donc là c'est un peu énervé. Non, par contre, les deux points machin, là, je les ai pas eu. Flag option, split, words, replace first. Différence Java régulière expression. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Regex pattern, non. Non, bah on va se le faire avec un... Bon, on va se le faire avec un pattern à l'ancienne. Mais ça veut dire que ça, normalement, le A-Z, il est censé passer. Non, il n'a pas trouvé. Ah. C'est normal parce que c'est des A-Z. Voilà, là ça passe. Ok, donc là, si je fais ça, A-Z+, et après, je dis 2 points, num, 2 points. Ah, là, il l'a pas pris. Ah! Pourquoi? Le 2 points, num, tout court. Ah, le 2 points, num, il l'a pas pris. Eh ben, on va le faire... Alors, du coup, on avait dit quoi? A-Z... S'il prend pas le truc comme ça, on va faire plus. Et on met un 0-9. Tiré 9 et on met un plus aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, si je fais ça... Ah, là, il a pas pris le... Donc là, on a bien la... Alors, donc là, on va faire un union... A-grand Z. Et là, ça passe. D'accord. Et donc là, celui-là, ça ne change pas non plus. Ah oui, non, mais parce qu'il faut que je fasse un A-Z étoile. Comme ça, s'il le trouve pas... Non, mais fais pas chier. J'ai pas envie d'annuler. Ouais, voilà, faut que je le fasse comme ça. Et là, ça marche. Ok, et donc là, si je fais ça... Là, c'est la violence. Là, c'est la violence. Et si je refais un autofiltre... Hop, voilà. Ouh, là, c'est dur. Ah, c'est bon. Je vais y arriver. Hop.
j'enlève les vides et les ND. Non, le problème, c'est que je voulais ceux où il y avait... ce que je voulais tout à l'heure, c'est ceux où il y avait une majuscule en premier. Bon, je vais le laisser mouliner. Il est en train de... Attends, même avec mon proso, il prend la sauce. Hein. Ah, je crois même que je l'ai fait... Je crois même que là, il a planté, là. Je sais pas. On va voir. On l'a peut-être déglingué. Bon. Bah, vous savez quoi? Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. J'ai dit l'essentiel. La moralité de tout ça, c'est quoi? Utiliser des gestionnaires de mots de passe, utiliser des mots de passe uniques. Partir du principe que vous ne pouvez pas faire confiance au site web qui vous demande de stocker ces informations-là. C'est normal, hein, parce que pour travailler, pour pouvoir gérer vos données, il faut bien qu'il y ait une identification. Parce que même avec le plus grand soin apporté à la sécurité de ces données, l'histoire de ces 5 dernières années a prouvé que à partir du moment où une entreprise collecte des données, même légitimes, elle se fera attaquer à un moment donné pour ces mêmes données, et ces données finiront par être publiées d'une façon ou d'une autre. Donc, le moins les données peuvent être croisées avec d'autres, et donc réutilisées, hein, les mêmes logins, mots de passe, c'est à proscrire, parce que quand vous faites ça, j'avais eu le tour il y a quelques années, hein. J'avais eu un exemple où, quand j'avais analysé des contenus de disques durs qui avaient été jetés à la casse, et ça j'avais article sur le blog, j'avais retrouvé une personne qui utilisait les mêmes identifiants mot de passe pour 3 services différents, dont le compte, un compte Apple, un compte Orange, je sais plus quoi. Et donc ouais, pas la folie. Si vous utilisez le gestionnaire de mot de passe qui est intégré à votre navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox ou un autre, mettez un mot de passe principal. Parce que par défaut, en fait, s'il n'y en a pas, le stockage des navigateurs est vraiment de très mauvaise qualité. Dans le sens où c'est très facile. Moi, c'est comme ça que je les avais récupérés, hein, ces informations-là. En fait, j'avais récupéré le profil Firefox. J'avais démarré un Firefox dessus, et hop, j'avais accès aux identifiants mot de passe qui étaient dedans, parce qu'ils ne sont pas protégés par ce qu'on appelle un mot de passe maître. Et ce mot de passe maître-là va en plus servir à renforcer le chiffrement des données en local sur le disque. Donc le jour où vous faites voler votre profil Firefox, ou que vous le jetez sans faire attention, et ben en fait vous... Ok, bon, je l'ai buté. J'aurais pas dû, je l'ai buté. Ok. Tant pis. On va fermer. C'est pas grave. Non, mais on s'en fout. Bon. Je t'ai rien demandé. Donc ouais, le jour où vous faites voler votre profil de navigateur, et ben en fait, la personne ne pourra pas accéder au stockage, ou elle devra passer par du brute force. Et là, on retombe dans des trucs... C'est là où on va retomber sur la sécurité des brute force. Sachant que pour faire du brute force de votre passe, l'utilitaire le plus en vogue s'appelle H4. On en fera une démonstration, celui-là, dans un futur épisode, parce que il sait travailler avec peu près tout. Il sait travailler avec des CPU, des GPU. Il sait faire travailler les deux en même temps, si vraiment ça peut avoir un intérêt, si vous avez suffisamment de puissance. Ça supporte une quantité d'algorithmes. C'est grotesque. Voilà.
À savoir qu'on disait dans le bouquin de l'ANSSI tout à l'heure qui disait entre 12 en dessous de 12 caractères, c'est non sécurisé. Faut savoir que par exemple, l'algorithme de chiffrement qui est utilisé sur un comment sur un Windows, le NTLM, alors pourquoi il m'a OK NTLM là. Donc ça va être le NTLM V2. Même ça, bah maintenant Microsoft sur les Windows récents recommande un minimum de 16 caractères, je crois. Donc si on reprend tout à l'heure le graphe qu'on avait vu, qui est là, où on voit que ça peut être particulièrement facile, même avec 16 caractères, ça peut être très rapide à déglinguer. Et pour quelle raison? Parce que bah, quand on utilise des cartes graphiques, si vous faites une recherche H4 benchmark, vous allez tomber sur des éléments comme ça. Alors ça va pas être visible facile. Ça, c'est juste la page d'accueil. Voilà, on a des mecs qui publient leur benchmark. Et alors là, voilà. Donc comme on disait, hein, le MD5. Au-delà des collisions dont on parlait, pourquoi on dit que c'est plus sécurisé? Parce que des cartes graphiques comme la RTX 4086, 90, pardon, qui est donc sortie cette année, est capable de générer 164 gigahash par million. Giga, c'est donc milliard. Milliards de combinaisons par seconde. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça survit. Autant dire que voilà. Et même je crois que le NTLM a aussi été testé. Le NTLM, on est sur du 288 milliards. Donc là, ça devient grotesque. Hein. On retombe sur le NTLM V1 sur du 160 milliards. Le NTLM V2. Ah, on descend à 11 000 millions, donc 11 milliards. 11 milliards seulement par seconde. Bon ben voilà, hein. Je pense que vous avez compris. Voilà, faut pas réutiliser les mots de passe. Ça sert à rien et il faut partir du principe que ça pètera forcément à un moment donné. Ça se fera forcément péter. Il y a des services maintenant. Typiquement, si vous êtes dans Firefox, il y a un service qui s'appelle Firefox Monitor. Firefox Monitor vous permet, si vous rentrez une adresse mail par exemple, de vérifier si elle a déjà été fuitée. Alors, si vous utilisez une adresse mail unique et un mot de passe unique, ah, si vous ne le faites pas ou si vous utilisez la même adresse pour faire plusieurs choses, ce qui est normal, hein, encore une fois, je ne vous juge pas, même moi je le fais. Hein. J'ai un compte email principal sur lequel il y a seulement 22 alias alors que j'ai 80 comptes différents. Donc autant dire que ça a réutilisé beaucoup de fois aussi. Mais l'adresse email, il y a de grandes chances qu'il y en ait qui est déjà fuité. Qu'il ait fuité. Par exemple, non, bon, déjà, je vous en ai montré beaucoup trop, mais voilà, vous pouvez valider. Alors, c'est en partenariat avec un service qui s'appelle Have I Been Pwned. Voilà. Alors, par contre, je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre de lien vers le service, je sais pas, mais
qui a été pondu par une figure reconnue du monde de la cybersécurité, et qui justement fait une grosse veille là-dessus pour compiler, pour mettre à jour une énorme base de données qui permet de vérifier qui s'est déjà fait éclater des données. Et du coup, vous pouvez avoir de mémoire, vous pouvez avoir la notification directement dans Firefox. C'est peut-être faisable aussi avec du Chrome et dérivés, soit nativement, soit avec des extensions, je pense. Je vous laisserai chercher parce qu'il n'est pas question que je vous facilite la vie, je suis désolé. Et chez Apple, j'en sais rien. Donc, ils se démerdent. Encore plus. Voilà. Sur ce, on va arrêter là. Hein. Ça fait déjà plus de 2 heures. Alors, normalement, ce week-end, si je ne suis pas beaucoup trop pris sur autre chose, je vais quand même l'uploader, même s'il est vraiment misérable, le live de la semaine dernière sur YouTube, pour ceux qui ne regarderaient pas sur Twitch. Je dois aussi, du coup, je vais tenter de uploader celui-là dans la foulée, pourquoi pas, en fonction de comment Orange et Google arrivent à fonctionner ensemble. Et puis la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, j'hésite. Comme j'ai une ré... Je dois faire une réinstallation complète du drone d'abord pour avancer sur d'autres sujets. Il y a peu de chances que ça avance. Le Minayo, il faut que je le réinstalle complètement aussi. Je ne sais pas si ça a un intérêt de le faire en live. Ça, du coup, c'est fait. Donc, je le mets dans les archives. Le smoke ping, je pense que ça vous a pas intéressé sur le live Twitter, sur le sondage Twitter, donc je pense que je vais le dézinguer aussi. Celui-là, on laisse tomber. Donc, ouais, il y a la migration SQLite. Chose que je n'ai pas noté aussi, que j'aimerais vraiment faire pour le coup, c'est la migration WordPress sur Roti. Sur mon gros serveur, donc déjà ça vous montrera comment on fait pour migrer des sites, mais sur mon gros serveur, il y a plusieurs mois déjà, j'ai déployé, je dois remplacer, enfin ça fait plusieurs années que je dois remplacer le Debian 8 sur lequel tourne encore mon blog. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai eu une flemme monumentale, surtout que c'est un foutoir. Il y a énormément de choses dessus, des choses que je ne suis pas sûr de pouvoir transférer en l'état, donc c'est quelque chose qui du coup m'a retardé très fortement. Mais du coup, ce blog, il est toujours sur un Debian 8, il faut que je le remplace. Et du coup, j'ai déployé il y a plusieurs mois un Rocky Linux. Alors je sais plus si c'est un 8 ou 9, mais bref, c'est du Rocky Linux. J'espère que c'est un 9 que j'ai déployé, sinon je suis bon pour recommencer. Et pour l'instant, j'ai juste réinstallé une base de données sur laquelle j'ai transféré la plupart des bases de données que j'utilise. Donc mes bases de données ne sont plus sur le Debian 8, elles sont sur le... Comment? Elles sont sur le Rocky. Et du coup, donc Rocky Linux, pour ceux qui ont plus le, qui ont pas l'historique, c'est les remplaçants, les héritiers de Feu CentOS qui a été sulfaté par IBM, parce que je peux pas juste dire que c'est Red Hat. Donc pour avoir une base Red Hat Enterprise Linux gratos, sans avoir à fournir des données pour créer une licence. Pour avoir un truc vraiment communautaire, l'ancien créateur de CentOS a monté sa propre initiative, bon, pas tout seul, hein, mais s'appelle Rocky Linux, qui en l'espace d'un an a pris pas mal de 2 ans même, a pris pas mal de traction, 3 ans, je sais déjà plus, ça passe tellement vite, bon bref. Qui a réussi à se faire une place particulièrement rapidement dans cet univers-là. Donc j'ai décidé de partir là-dessus plutôt que du Debian pur.
J'ai encore du Debian sur d'autres machines, je continue d'utiliser du Debian, même chez moi. Ici, même si des fois on déploie d'autres choses, mais donc voilà, j'avais envie de varier un petit peu plus les plaisirs pour pratiquer un petit peu plus, parce que autant j'ai pratiqué fortement pendant que j'étais admin système à faire du run au quotidien, etc. Et depuis que je suis rentré dans l'univers Kubernetes, je manipule très peu les systèmes d'exploitation et je me rends compte que je peux m'encrouter très vite sur certains aspects de gestion de packaging, enfin de package manager, de réseau, de plein de choses. Donc j'ai décidé voilà, de varier mes systèmes d'exploitation pour continuer de pratiquer là où je ne pratique plus, pratiquement plus. Voilà. Mais donc j'ai commencé la migration de la base de données. Je l'ai fait surtout parce qu'au début j'avais déployé la machine en IPv6 only. Parce que je voulais pas utiliser l'intégralité de mes IPv4 trop vite. Parce que j'étais pas encore très clair sur ce que je pensais faire. Et du coup, l'idée, ça va être de mettre à jour la configuration de la machine pour lui rajouter une IPv4. Une fois que c'est fait, on attaque l'installation et le déploiement de tout ce qu'on a besoin pour que je puisse déménager le blog à minima et les autres outils qui sont à côté, genre le. Qu'est-ce qu'il y a non connecté? Bah oui, mais parce que je l'ai fermé, c'est ça? Je suis en boulet. Oui, je l'ai fermé. Ok. Il est où? Il est là. Voilà. Ok, c'est mieux. Hop, je vous mets ça. Et puis hop. Le free pass, il est là. Où je trouve l'icône. L'entrée, elle est là. 665 718. Donc j'ai toujours un Matomo qui sert plus à grand chose, mais voilà, qui est toujours là. Et lui, en fait, bah pareil, il va déménager aussi. Donc sa base de données, elle est déjà sur le. Elle est aussi sur le Rocky. Mais il va faire partie des éléments à déménager. Surtout qu'il faut qu'on. Voilà, faut que je. Ça va être l'occasion d'installer des PHP plus récents. Parce que là, le blog, il me râle dessus très fort pour me dire coucou, t'es toujours sur PHP 7.3, il a raison. On est quand même actuellement à PHP 8.2, PHP 8.1 et 8.0, je crois, sont encore. PHP 8.0, pas loin de la fin de vie, si c'est pas déjà le cas. Lifecycle, ça va être ça. Je sais plus, version compare. Non, c'est pas ça. Hop. PHP version. PHP end of life. Un truc comme ça. Voilà, le security support se termine à la fin de l'année. Donc PHP 8.0, c'est finito, pipo, fin de l'année. Et donc il faudra au moins du PHP 8.1, voire du PHP 8.2. Donc voilà, ça permettra de se mettre à jour aussi là-dessus. Donc peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine. J'avoue que ça me sauce un peu. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer à migrer tout le reste aussi. Et une fois que ce sera terminé, on n'en parlera plus. Donc ouais, ce serait ça. Comme j'ai dit aussi, on a quoi? Donc on parlait. Si on veut faire la continuation de ce qu'on a fait cette semaine, on a VaultWarden. VaultWarden, c'est quoi? C'est un gestionnaire de mots de passe auto-hébergé qui fonctionne en mode accès à distance avec une extension dans le navigateur. Donc c'est-à-dire que contrairement à ce que j'ai moi, c'est-à-dire un gestionnaire de mots de passe là, qui est local avec une application, avec un plugin. Pour brancher dans le navigateur et où du coup je suis obligé de gérer la synchronisation de ce coffre-fort sur les différents appareils où je veux l'utiliser, sachant que depuis que je suis passé sous Windows 11, j'ai pas réinstallé la synchronisation qui passe par un autre outil. Bah là, vous l'avez dans un endroit qui est centralisé. Alors, ça demande d'avoir accès à du réseau. À partir du moment où c'est pour travailler dans un navigateur, le réseau on l'a, hein. Mais du coup. Voilà. On passera
Probablement par Vault Warden. Pourquoi Vault Warden et pas Bitwarden? Parce que Bitwarden, à la base, le gestionnaire de mot de passe, c'est Bitwarden. Il propose de vous héberger votre coffre-fort pour vous. Donc ça, du coup, ça fonctionne comme One Password, LastPass, Dashlane, pour ceux qui auraient pu en entendre parler, voire même NordPass, puisque si vous faites un peu de YouTube, vous passez votre temps à être harcelé par ce genre de sponsor. Et comment? Et du coup, l'idée, bah, c'est le gestionnaire de mots de passe est stocké chez eux. Alors, ils peuvent rien voir, parce qu'encore une fois, tout est chiffré de manière très très forte, avec tous les standards que vous voulez. Donc, en fait, ils ne voient pas les mots de passe que vous utilisez. Le truc, c'est que celui-là, alors on peut l'installer. De mémoire, il est codé en Python, un truc comme ça. C'est de l'open source, hein, donc on peut se le garder soi-même. On n'est pas obligé d'utiliser leur truc à eux. D'ailleurs, je crois que c'est du Python. Si je regarde le serveur, c'est quoi? Le serveur, même pas, c'est du. Ok, c'est du C Sharp, d'accord. Pourquoi se faire mal? Ok, ouais. Et du coup, Vault Warden. Donc en fait, quand on installe cette version-là, bah, ça demande d'utiliser, de créer un compte, même pour un truc auto-hébergé. Je vous cache pas que ça m'emmerde un petit peu à partir du moment où c'est pour installer chez moi. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est pavé à développer Vault Warden. Et Vault Warden, en fait, c'est une alternative qui est écrite en Rust en plus, mais qui du coup ne demande pas de licence. Et on peut réutiliser les clients Bitwarden classiques. Voilà. Et donc, typiquement, vous l'installez, vous avez une interface web, vous pouvez plugger votre navigateur dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai refermé, putain. Enfin. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Ça va être dans la continuation de ce qu'on a fait ce soir. C'est quelque chose que je pourrais vous proposer la semaine prochaine. Parce que ça m'intéresse de l'installer pour le tester en remplacement de mon KeePass. Parce que le KeePass a d'autres problèmes. Enfin, le setup est lourd, quoi. C'est une application plus un plugin. La synchronisation via. Comment ça s'appelle? Oh! Via SyncThing. Je le prononce très mal. SyncThing, pardon. Le TH, là. Ils font chier les Anglais. Et ça, pour pouvoir faire ça sur mon téléphone, sur mon ordi portable et sur le gros PC. Voilà, je vais essayer de simplifier les choses. Foutre ça sur un Vault Warden, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on fera un déploiement prototype dans Kubernetes, je pense. Parce qu'en plus, vous voyez, hein, c'est le déploiement à la base, faites ça via du Docker. Ça tient en une commande, donc autant vous dire que pour le déployer avec du Kubernetes, ça demande pas grand-chose. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais revenir là. C'est où? La webcam. C'est bon. Voilà. Encore merci à tous ceux qui sont passés, qui ont participé, même ceux qui participent pas. Hein, tant que ça vous a intéressé, c'est ce qui compte. Moi, je suis content. Je suis content d'être revenu sur cette liste, même si on aurait peut-être pu pousser un peu plus si on n'avait pas rencontré autant de blocages. Il y a encore des statistiques à faire, donc je dis pas qu'on reviendra pas dessus, mais comme ça va me demander de maîtriser d'autres outils sans que ça plante. Voilà, on va s'éviter les catastrophes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous souhaite un bon week-end et on se dit rendez-vous au plus tard vendredi prochain si vous ne me suivez que sur Twitch. Sinon, ailleurs sur les internets. Allez, ciao ciao! Allez au bouton.